D'abord, la classe politique regrette beaucoup et le fait que le ministre enlevé. Donc le ministre Katimini nous a convoqué, c'est une convocation, et la nuit justement presque. Donc seulement on est venu vraiment rapidement. Et puis d'abord, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas pu quand même se libérer pour venir nous rencontrer. Il a envoyé que son secrétaire général, ça déjà on trouve et ça prouve que le ministère n'a pas de respect pour la France. Donc vous voyez, donc, depuis que ces accords ont marqué la transition, on trouve que vraiment le parti politique n'est pas respecté beaucoup dans cette affaire. Et alors on pense que c'est la vie politique, mais pas même les jeunes qui travaillent plus tard pour nous. Et tôt ou tard, ils vont partir. C'est nous qui serons là pour poser une candidature. Enfin, il y a un qui sera élu parmi nous. Donc là, le constat là déjà, c'est pas bon. Et puis voilà, il n'y a pas de nouveau, c'est le même. N'est-ce pas, communiquer qu'ils ont passé. Le communiqué qui a passé le 5 novembre en appelant la candidature de peuple de Guinée, pas même parti politique, la candidature est ouverte à tous les peuples de Guinée pour déposer, n'est-ce pas, leur candidature au niveau du secrétaire général des ministres. Donc oui, je pense que c'est un peu difficile, on ne comprend pas de tout. Voilà comment. Est-ce que pour les partis politiques de représentants on ne sait pas, ils n'ont même pas dit le forum parce qu'il y a le fils qui a circulé. Mais là, moi je disais qu'on pourrait nous donner quand même le combien de partis politiques. Mais le secrétaire général lui-même dit qu'il y a 180, un peu moins de 200 partis agréés aujourd'hui à leur niveau. Donc là, déjà, bon, et c'est la première fois qu'on commence à faire le sport, et tout le monde est à 300 000. Donc voilà, c'est communiqué là, il est venu nous reprendre la même chose, nous lire la même chose. Voilà. Il a mis ce communiqué, il n'a pas donné le même. Oui, vraiment, c'est la même chose, non? On nous a donné d'ici le 25 novembre, nous sommes aujourd'hui le temps, nous sommes le 10, 15 jours, et il faudrait maintenant dépouiller. Est-ce que, parce que vous savez, tous les documents, il y a 11 dossiers à fournir, ces deux 11 dossiers-là, même, n'est-ce pas, la présidentielle que moi j'ai partagé, on ne a pas demandé autant de dossiers. Donc vous savez, quand vous voyez traîner casier judiciaire, c'est ce lieu, là où tu es né, c'est là que tu prends. Tu prends le casier judiciaire là-bas, au niveau du tribunal. Supposons que quelqu'un qui prend à Yomou ou à Koundara. Maintenant, combien de jours pour aller avec la route, les routes qui sont dégradées aujourd'hui, combien de jours pour aller au tribunal pour. Voilà. Je pensais que le ministre devait venir, le ministre n'est pas venu, puis le dernier ministre va prendre seulement pour l'option. Je pouvais penser que le ministre a bien préparé une phase là, puis attendre jusqu'à la dernière minute, il envoie ce ministre. Vous pouvez comprendre, monsieur le Sita, qu'il y a des partis fantômes aujourd'hui. Quand vous apprenez. Non, si un parti qui a de rien, il n'y a pas de fantôme. C'est qu'il n'y a pas de moins peut-être d'animer son parti, c'est vrai. Mais il a deux éléments qui sont à deux éléments, c'est un élément nouveau. C'est une question de.
moyens pour animer le parti. Ça, il n'y en a pas beaucoup.